ira, ça ira, les aristocrates, on les aura. Non, ça va pas. Mais siphonner. Un chiffon, fanfan, les petites marionnettes, un chiffon, fanfan. Trois petits tours et puis s'en va. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous faire, enfin, je vais essayer de faire une vidéo très courte. Parce que j'ai envie d'essayer devant vous un mascara que j'ai acheté hier à Carrefour. Voilà, j'avais eu une publicité dans ma boîte aux lettres. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie de l'essayer. Oui, je sais, je suis dans la période mascara. Je fais ce que je veux d'ailleurs, hein, je me signale toujours. Hein. Bon, enfin bref, et je suis en paréo, il fait chaud. Hein. Et donc en fait, ce mascara, je vais vous le montrer, était à 10 euros. Et il y avait 3 euros de réduc. Donc il m'est revenu à 7 euros. Alors je me suis dit, ma fille, tu ne risques rien, qui ne risque rien à rien. Et comme j'étais toujours à la recherche de ce fameux mascara de Je mets Maybelline, qui avait ce côté blanc gainant et l'autre côté avec du mascara noir, bon, ça, apparemment, on ne le trouve plus. Donc j'ai trouvé celui-là, que je vais essayer uniquement sur un œil devant vous pour voir si effectivement. Il apporte l'effet escompté, il s'agit de celui-là. Voilà, alors, c'est du Je mets Maybelline, voilà. Alors, c'est nouveau, hein. Il vient de sortir apparemment. Alors, je vais quand même vous dire quelle est sa composition. Donc, ils disent qu'il a, je l'ouvrirai, hein. Je ne l'ai pas ouvert, hein. Je veux qu'on fasse ça ensemble. Hein. Alors, donc, il a une brosse push-up, ouais. Unique, composé de picots en forme de balconnet, j'ai rien vu encore, hein, pour volumiser les cils et les recourber de façon vertigineuse. On verra la différence, hein, parce que j'en ferai qu'un. Hein. Voilà. Donc, de Je mets Maybelline, bon, c'est une marque que j'adore, hein, en principe, ils ont des produits qui sont super. Hein. Alors, ils disent que sa formule gainante, enrichie en cire, alors peut-être qu'effectivement, dans celui-là, tout est dans le même tube. Hein, voilà. Puisqu'ils disent enrichi en cire, à voir. Gorge les cils d'un volume généreux et maintient leur courbe toute la journée. Ce qui me ferait penser au concept d'avant que j'avais et que je ne retrouve plus. Voilà, donc ils disent que 64% des femmes constatent un effet aussi intense qu'une paire de faux cils. Alors je ferai peut-être partie de celles qui ne trouvent pas. Hein. Alors je vais l'ouvrir et puis on va faire l'essai ensemble. Voilà ce que ça donne par rapport à l'autre. Et je vais vous donner mon avis qui n'est même pas mitigé. Hein. Voilà. Alors, honnêtement, ce que j'en pense. Premièrement, beaucoup trop liquide. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où il est liquide, au fur et à mesure que vous en mettez, il s'enlève. C'est normal. Il faut laisser sécher. Le temps de séchage, j'ai coupé entre chaque prise. Parce que le temps de séchage est très, très long. Et même en attendant, il n'était jamais sec. Donc, trop liquide, n'apporte rien de plus que certains mascaras que j'ai, qui sont plus épais et qui sont très, très bien. Hein. Bon, plus on en met, bien évidemment, plus... On obtient un effet paquet, mais ça encore, bon, on veut obtenir un effet fossile, ok. Aujourd'hui, personnellement, je ne rachèterai pas et je ne le conseille pas. Je pense que ce mascara sera bien, peut-être d'ici quelques temps, quand il aura séché un peu. Là, dans l'immédiat, non. Je ne sais pas où ils ont mis la cire. Non, franchement... La brosse push-up, tu parles.
Picot balconné, mon cul, oui, balconné. Non, n'importe quoi. C'est... Non, non, nul, 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 nul. Effet fossile, ah ouais, bah, tu parles, je préfère mettre des fossiles à la limite. Hein. Non, voilà. Mais écoutez, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce mascara. Je vous dis, je vous le redis, hein, 3 euros de réduc. Donc, à la base, il sera quand même à 10 euros, hein, faut le savoir. Hein, 10 euros pour ça. Et là, j'ai eu quand même 3 euros de réduc. Bon. Je reviendrai, j'en remettrai quand il sera sec. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. Hein, c'est toujours bien d'avoir un avis, hein, surtout sur un truc qui vient de sortir. Hein, voilà. Et bien, sur ce, je vous laisse. Oui, j'ai essayé avant, j'ai essayé, mais je l'ai enlevé d'en mettre en bas. Je ne mets jamais de mascara sur les cils du bas. De toute façon, j'en ai pas. Et puis, je colle avec les cils du haut. Donc, en général, je fais un trait. Hein. Je ne mets jamais de mascara sur les cils du bas. Donc, j'ai essayé. Là, je l'ai enlevé hors caméra, hein, parce que c'était... Ça, j'ai l'impression d'avoir deux poils, quoi. Trois poils, là, collés. Ridicule, ridicule. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et ben, je vous dis à très, très vite pour une prochaine vidéo. Je vous envoie des tonnes de bisous et prenez soin de vous, je vous aime de tout mon cœur. Je remercie toutes et tous mes nouveaux abonnés, hein, vous êtes les bienvenus. Merci de vous abonner à ma chaîne et de me suivre, c'est super, je suis très contente. Voilà, donc je vous envoie des tonnes de bisous, je vous aime très fort et à très très vite. Ciao, ciao !